Bonne journée tout le monde. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro mise au point sous télévision nationale d'Haïti. Et là, on a parlé financement, parti politique, avec Séminé Sahar, Politicothèque, a organisé 7 à 8 avril Cap Vinila. Certainement, il y a intéressant pour nous connaître qui sa Politicothèque là, qui travaille à faire et qui contribution au côté poté dans le niveau PAYO pour capable très certainement renforcer sa là comme structure politique. Et surtout, nous connaissons les questions financement parti politique, il est toujours à l'ordre du jour, ça a suscité un pile remous, il y a des partis perdus en pile dans mon niveau par rapport avec les dispositions que l'exécutif l'a pris pour mettre en application loi sous financement parti politique. Il n'y a pas le gagner pour nous faire mise au point sur tout ça, jeudi, hein, avec responsable de la politique au tech là, Woody Stanley Penn, qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti jeudi. Hein. Monsieur Penn, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Plaisir partagé, oui, et monsieur Lindor. Alors, on a démarré avec un petit mot pour Jean-Dominique. Et, par contre, c'était qu'on a habitué tant Jean-Do. Et Jean-Do, quand même, qui passait de présentation. C'est ton matin comme ça, en 3 avril. Mon levé, et puis autant de. Madame, je vais le faire nouvelle dans la radio Haïti Inter. Et puis, assassiné, 18 l'année après. On a beaucoup dit sur qui monde qui t'a derrière, exact ça. Et, ou même, comme monde qui a regardé, qui a fait politique toujours dit, qui sont consommateurs d'informations. Là, tu dis Jean-Dominique, ça a dit qui ça vous. Bon, Jean-Dominique, ça veut dire dans la société, ça veut dire son icône et de médias en Haïti. C'est on voit que plusieurs générations dans le pays d'Haïti, qui marquaient plusieurs générations dans le pays d'Haïti par sans information pour lui, par gens qui ont traité information et rapport qui ont gagné entre information la baille et moun captain de yo. C'est ça qui fait la mort de Jean-Léopold Dominique, c'était un bagage qui était touché jouk nan zo société haïtienne. Maintenant, on est en train de voir le poids de l'impunité dans ce pays qui pas seulement gagné à Jean-Dominique, mais et ça remontait à plus longtemps, depuis sous Jean-Jacques Dessalines qui finit assassiné, et puis rien pas dit, en plus l'autre monde tombé encore, de prendre des décisions sur certaines choses. Des mouns captains, et je pense que, pas qu'on est dans combien de temps, mais ça que certain, c'est qu'on l'a quand même, Abgon Bagay, qui a officiellement dit, non seulement sous cas Jean-Léopold Dominique, mais sous plusieurs autres cas encore, parce qu'il y a nécessité que. Nous dit la vérité, faites sous un pile bagaille. C'est la seule façon nous capables d'avancer réellement comme collectivité. Pendant 18 ans, il y a un pile juge d'instruction qui passe ce dossier, il y a un pile qui courit, un pile qui n'a pas arrêté, il y a un qui a été même dit pour pression. Finalement, nous l'avons toujours. Personne n'a pas connu qui s'est passé, pour qui s'est agent de mourir, qui m'a dit des actes ça. Et 18 ans après. Hein? Bon, probablement, un pile monde qui n'a pas connu, mais il y a un pile monde qui connaît. Ouais. C'est parce que il y a des gens qui connaissent qui fait que nous sommes capables de parler d'impunité. Impunité, c'est parce que la décision, il t'a dû prendre, mais il n'y a pas qu'à prendre. Ou encore, il n'y a pas voulu prendre. Il n'y a pas jamais prendre. Maintenant, ce n'est pas la décision, il n'y a pas qu'à prendre. Ce n'est pas qu'on est ou pas qu'on est qui décision. Ce n'est pas qu'on est ou pas qu'on est qui est responsable. Mais c'est arrivé sous responsable. C'est arrivé faire les gens qui sont responsables au pays. Quels sont leurs poids? Quelles sont leurs forces aujourd'hui? Poids. Les capables économiques, les capables sociaux, les capables politiques. Maintenant, par rapport à l'État, est-ce que l'État, est-ce que la justice est assez puissante, est assez solide, est assez forte, est assez indépendante pour qu'il baille justice? Chaque fois ça arrive, c'est une bonne occasion pour nous garder Sanguin là comme système judiciaire, comme pouvoir judiciaire. Puisque vraiment, et à côté de cas Jean-Dominique, il y a l'autre cas. Il y a souffrance. L'empire. Qu'un journaliste qui peut-être pas noyé, pas de même dimension peut-être. Il n'a pas arrivé à faire même accomplissement par rapport à Jean-Léopold Dominique. Mais il a même tout. Il a fait des bagailles. Il a marqué peut-être une petite communauté. Mais il a assassiné tout. C'est le cas de Brignol Lindor. Oui. C'est le cas de plusieurs autres mouns encore. Et ce n'est pas seulement les gens qui mourent, parce que ce n'est pas seulement les gens qui mourent pour rejoindre la justice. C'est toutefois qu'on est victime des journalistes qui subissent agression. Qui près de nous là, Vladimir Le Gagnon. Justement, Vladimir Le Gagnon qui mourit. Et si bon, ce n'est pas. Voilà, il n'y a pas encore eu de.
de décision officielle, de décision publique et officielle à ce niveau, mais nous capables de dire que et si ces pattes ont levé de bouclier, m'a précisé, médiatique, à travers les médias sociaux en particulier, côté que le dossier a commencé à faire son chemin, comme étant un jeune journaliste qui pas vraiment et bon renommé, ça t'es capable de faire silence, même genre en pile l'autre journaliste. Et c'est ça qui fait me penser qu'il y a nécessité pour que un bon secteur dans le pays, il est mieux organisé. Parce qu'il pas suffit que vous organisez, il est important que vous mieux organisez. Laisse ça ni faible, ni gros, il est tout capable de faire une justice, il est tout capable de renforcer. Et mettez-vous ensemble pour permettre que vous êtes moins victime, ou encore même, vous n'êtes pas victime d'un série de bagailles. Est-ce que Jean-David s'est dit là, et c'est parce que la société a tout le monde qui a approprié le quelque bagaille qui a passé. Tu as dit, quittez-moi, yo allez, j'ai le fait, les fêtes, personne ne va dans rien, qui fait que 18 années après, nous là toujours, nous ne parlons pas comme ça que tu es passé, Jean-Dominique, 3 avril 2000 le matin. Oui, il y a ça aussi. Parce que le bien ne saurait venir tout seul. Et il faut l'exiger, il faut forcer, il faut bousculer. Ouais. Et en pile société, qui vivait résoudre des problèmes presque dans la dimension ça qui forçait dirigeants jusqu'à ce que vous rendent compte, vous prennent des décisions que vous devez prendre, c'est parce que la société civile d'abord est organisée. Et c'est fondamental que nous comprenions ça. Pas gagner une société qui est capable de vivre aucun côté s'il n'y a pas une société civile qui est organisée. C'est la société civile qui fait le développement. C'est la société civile qui peut faire bouger la société. Et quand on parle de la société civile, ce n'est pas green green moon qui l'a, mais c'est le niveau. D'organisation sociétaire qui rend que l'on société civile forte. Jodia par rapport et Jodia c'est 3 avril. Nous avons rappelé nous quand même que 3 avril 1986, tu as gagné une grande manifestation de femmes, 300 000 femmes t'as manifesté. Mais Jodia, est-ce que c'est possible que 300 000 femmes font marche? Regardez ça, Piba. Est-ce que c'est possible que 200 000 femmes font marche? Il y a mon gars dit, mon exagéré, tonton. Est-ce que c'est possible que 20 000 femmes prennent la rue pour même cause, pour le fond marche? Alors que, il y a plus organisation chauffeur, il y a plus organisation étudiant, il y a plus organisation femmes, etc. Mais ça va empêcher que nous moins organisés. C'est peut-être un phénomène que de l'autre monde, de sociologues, de l'autre monde qui commence à réfléchir, ou du moins si vous pouvez réfléchir pour réfléchir sur la question, hein, mais nous sommes en présence d'une crise, son crise organisationnelle. Il y a de plus en plus d'organisations, mais la société est de moins en moins organisée. Est-ce que c'est pour vous le monde qui fait ça? Ça aussi, mais ça a un rapport avec l'évolution. Et des sociétés, pas seulement société, pas nous. Hein. Faut que nous rattraper et adapter nous par rapport à certaines avancées, parce que je dis, la méthode que nous avons organisée avant, c'est pas même méthode là que nous sommes capables d'organiser, je dis. La méthode que nous avons fait mobilisation avant, c'est pas même méthode là et que nous sommes capables de continuer à faire mobilisation. Maintenant, il faut réfléchir sur les questions, trouver de nouvelles pistes, de bonnes pistes pour nous capables de jouer un meilleur élément de réponse pour nous résoudre le problème nous gagner. Parce qu'il y a urgence, il y a nécessité. Nécessité, parce que quand on a dit tout, on dit Jean Le Pen, c'est qu'on a des mouvements qui font de manière spontanée, les mettons d'accord sur une cause, tout le monde embarqué, et puis on a pas avancé, le mouvement a fait. Je veux dire, pour arriver à sensibiliser les gens autour des bagages qui concernent eux, qui est fondamental. Il est difficile. Il y a même un cas, il faut amener l'argent, etc., vous frapper. Alors, ça, on se débarrasse et tout, et ça fait poser problème. Non, sous base moon, est-ce que je dis, l'homme haïtien n'a pas mérité ou reconstruit, nous pas arriver à la qualité moon n'a construit dans le pays, ça, qui t'a aidé nous mieux aborder les problèmes, mieux organiser la société civile, quoi dire, là, plus devant. Ouais, parce que type de société, on est, il n'est pas né par hasard.
Et justement, type de citoyen que nous n'ayons, il s'est produit le type de société que nous avons en fonction de l'action que vous posez, en fonction de responsabilité que vous avez pris ou pas de prendre, en fonction de l'engagement que vous avez pris, qui permettent que c'est ça nous gagnons aujourd'hui, qui permettent que ce type de citoyen, ça, que l'école baille, qui permettent que, ensemble d'influence, que ce soit, sans consommer dans la radio, sans consommer dans l'église, sans consommer dans l'organisation, sans consommer dans la famille, sans consommer dans le monde où on peut rencontrer, dans la camionnette, dans tout côté, dans l'organisation, etc. C'est lui qui baille ça. Maintenant, il y a un premier côté, il y a deux éléments qui sont fondamentaux, c'est l'école, c'est les médias. Jodia, ou maintenant les toutes sortes, il y a pile monde qui passe souvent l'école et c'est un premier espace qu'on capable, mis à part famille, qui c'est une petite cellule, mais l'école, côté que ensemble de monde, ils rencontré et ils ont construit pour un bagage. Parce que l'école là, il n'est pas seulement réduit à apprendre les mathématiques, à apprendre les physique, à faire le bac par cœur. Mais ensemble de ça, apprendre, c'est pour le bail un type de citoyen, pour un type de société. Maintenant, est-ce que les dirigeants haïtiens, est-ce que les intellectuels haïtiens, est-ce que l'État, les dirigeants des partis politiques à travers leurs cellules différentes à rien, est-ce que vous réfléchissez sur ça? Sous type de l'école, pour type de société que nous voulons gagner. Parce que chaque société, on nous dit aujourd'hui, le petit Américain que tu vois, il est considéré tête comme le premier. Il apprend ça depuis l'école. Il dit que les États-Unis pas doué jamais derrière. Conscient ou inconscient, il apprend ça. C'est ça, il mettait en dedans. Maintenant, il y a l'autre nation qui presque a fait même bagaille là. C'est chinois. Ils ont pris orgueil, ils ont rentré dans le passé. Ils dit pour ça la Chine y est, pour ça la Chine vaut, pour ça la Chine taille. La Chine pas qu'à derrière personne. Et la Chine a monté en puissance. Et chaque Chinois a grandi avec ça en dedans. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un bon matin que la Chine ou encore des dirigeants chinois pendant yo ouais yo gen type d'économie yo gen là yo ouais yo gen type d'entrepreneur yo gen là yo ouais yo gen type de citoyen yo gen là non c'est pas un bon matin et c'est pas parce que pas une divergence dans la société mais c'est parce que malgré toute divergence yo entend nous son bagaille c'est l'intérêt de la Chine d'abord l'intérêt de la France d'abord l'intérêt des États-Unis d'abord. Et l'influence américaine va tellement loin, on a parlé de système éducation américain, et parce qu'on a parlé de l'éducation, côté nous-mêmes nous désengager, ça le bail comme conséquence. Eh bien, le citoyen, même l'on pas un citoyen américain, depuis passer dans l'école américaine, ou qu'on partit un don qui sont américains, ou réfléchit en américain, ou est intérêt américain, et même sans on pas rendre compte. Ou à défendre l'Amérique. Parce que c'est ce qu'on t'a inculqué. Pas seulement apprendre, on te l'a inculqué. Parce que c'est ça aussi l'éducation. Nous, ce n'est pas rentrer dans une salle de classe, et puis mon professeur Vini, la Bible, il dit ou étudier, et puis coule deux heures ou bien une heure, y aller. Non, ce n'est pas ça l'éducation. C'est pas un bourrage de crâne. Mais c'est un ensemble d'éléments, c'est un ensemble de bagailles qu'on estime pour type de citoyen vléa, ou à pas apprendre nous. Et puis pour nous atteindre tel objectif. Pour type de pays à tout. Pour type de pays. Et c'est ça qui fait généralement toujours intéressant pour nous connaître qui l'école, pour qui pays, pour qui société, qui va permettre que nous vont dire, nous former nous en fonction de ça, atteindre de eux puis de devant. Voilà. Faut nous éviter que pays a un boulevard. Machine à monter, machine à descendre et puis bon. Mais on a monté dans le bleu. Il monte et j'en veux. Ça ne peut pas être comme ça. Nous avons cette obligation aujourd'hui de construire une société. Sinon, les générations à venir, ils n'ont pas même demandé compte. Il y a honte. Et puis vous venez le tout, mon n'y a pas comme si vous t'aimez Léo, quel que soit un pays, il n'y a pas regardé. Tout le monde n'a pas fait pas, et puis c'est l'individualisme à outrance, c'est le chacun pour soi, et puis on n'est pas intéressé personne. Vous avez l'impression que vous êtes en transit, comme si le pays a là, c'est pays. Sens de ça. Ouais. Bon, pourquoi c'est là, l'État généreux, c'est toujours l'État doué, poser problème ça. Ouais, gauche t'a parlé ça, au moins pour finalement, nous entendons ce que nous voulons faire avec le pays. Ouais, avec tout le monde. Inviter tout le monde. Nous n'avons pas parlé, venir. Mais il faut inviter, il faut attendre. Parce que tout sens et essence, c'est ça qui a sorti, nous entendons sous lui.
malgré ça qui a divisé nous, mais nous entendons nous son bagaille. Mais on s'accuse une fois. Nous puissons entendre nous maintenant nous sommes pas d'accord. Sous ça ne pas d'accord. Nous sommes pas d'accord ici. C'est ça qui peut être problème. C'est parce que même pas d'annuler. Mais c'est parce que nous pas jamais chita vrai pour nous dire ça ne l'est. Donc c'est exercice ça pour apprendre faire. Même gens et nous songe m'ta faire une intervention côté récemment. Nous comme si nous réfléchis trop sur ça que fait Haïti pauvre. Faut nous commencer à réfléchir sur qui ça nous a fait pour Haïti, vivre un pays développé, vivre en puissance, vivre une salle douée dans les Caraïbes là, comme si on reprend dignité nous comme peuple et camper à un niveau côté que d'autres peuples par rapport à l'histoire nous par rapport à côté nous sorti, yo capable tirer le son de nous, yo capable prendre exemple sur nous pour eux même tout et yo sorti côté yo. Donc nous avons ce devoir aujourd'hui de bah on l'autre exemple de commencer réfléchir sur qui ça nous a fait pour nous développer pays ça parce que nous passer trop de temps dans réfléchir ça fait nous pauvres. Énergie a passé là et à chaque fois pour nous ta construit richesse nous perd du temps dans réfléchir sur cause pauvreté. C'est pas que cause pauvreté a pas bon mais de pouvoir réfléchir sur richesse là ou tout joindre cause. On a toujours un sac fort pour les riches, mais nous pas qu'à perdre du temps dans la pauvreté. On nous parler de politico-technique et ce que ça depuis qu'il a existé. Eh bien, politico-tech, c'est une institution qui existe depuis 2015, mais récemment, on a décidé de passer à une autre phase. C'était phase côté que nous avons fait un cocktail de lancement officiel. Un cocktail de lancement officiel que nous avons fait le 14 décembre et de l'année dernière. Là, ça a noté retirer l'institution et un niveau, nous sommes capables de dire, qui tout simplement a géré des campagnes pour des particuliers, qui a bail des services et tout petit, mais nouvelle comme entreprise, comme institution normale, quelque chose de plus grand d'envergure. Parce que nous avons compris que même gens, gagnent de institutions financières, ils ont besoin de comptables, ils ont besoin d'économistes, ils ont besoin de gestionnaires, même gens médias, ils ont besoin de journalistes, même gens, etc. Pour une bonne profession, l'hôpital, ils ont besoin de médecins, ou bien la politique a aussi besoin de services politologues, de services de consultants politiques, de monde qui est disponible pour réfléchir sur la vie politique, pour réfléchir sur façon acteur politique yo capable de bailler de meilleurs résultats à partir de actions que a posé pour yo inspirer plus confiance à moun cap y a dirigé yo parce que relation entre dirigeant et dirigé a li doit on l'autre gens parce que c'est l'autre gens ça qui pour permettre que nous gon l'autre pays. Maintenant qui ça constaté qui fait que nous dit faut que nous gagner politico-tech en dans pays a. Eh bien, constat, c'est que la première chose, moi-même comme jeune et comme jeune politologue, et moi-même, parce qu'un pile fois, à l'étudier sciences politiques, c'est pour qu'on vienne un politicien. À un certain moment, j'étais aussi tenté. Mais, je viens à réfléchir, m'a regardé, m'a rencontré des gens, m'a participé dans des séminaires, et je commence à voir, moi, ouais, que on peut être utile. Pas de l'autre manière. Donc c'est à partir de là que avec une meilleure amie que moi, nous avons commencé à réfléchir sur base là. Dans le monde qui a commencé à réfléchir sur base là, je dois saluer Gustave Ebermark qui aujourd'hui est en France, il enseigne à Toulouse, son jeune politologue. Et puis il y a Carl Peterson Sénéan qui lui-même est à Chicago. Et moi je suis encore en Haïti et je continue avec le rêve de Politico-Tech. Rêve Politico-Tech là, il y a l'autre monde qui vient me continuer à embrasser. Je salue par exemple et Mac Callo qui est un ami. Et on a fait beaucoup d'expériences électorales ensemble, dans gérer campagne, dans définir des dessins, des plans de campagne pour les mounes. Donc maintenant, nous passons. C'est le constat que il y a nécessité pour nous contribuer à ce que mon cap fait politique, yo fait politique on l'autre gens parce que c'est sauf si on fait politique on l'autre gens que nous cagons l'autre politique. Oui, mais là plus qu'on dit faire politique on l'autre gens, c'est plus bah l'arrêter Jean-Louis à tout. C'est plus le résultat, c'est ça où il y a.
eh bien c'est apport par nous, c'est des apports techniques pour, parce qu'en pile fois nous qu'on a critiqué mon yo parce que yo décide mal, mais c'est parce que y a des éléments yo pas gagné qui fait yo prendre de mauvaises décisions. Des fois c'est pas par mauvaise foi. Maintenant si des institutions qui là cap fourni yo une information, cap faire recherche pour yo, par contre on sûr que ça lui vaut déjà pour un député ou un sénateur camper la palavre tellement téléphone ni sonné. Conversation vient ennuyeuse parce que il presque pas gain temps pour lui, il pas gain temps pour lui, il pas gain temps pour presque même réfléchir, il pas qu'à faire rien. C'est ça qui fait il presque vient lancer, il vient rentrer dans une spirale d'improvisation. Tout ça l'a fait, c'est improvisation. Alors pas gain plus mauvais ami qu'un politicien t'a gagné que improviser, parce que tout gros monde nous pensait qu'à improviser ou pas improviser. Réflexion est en fait, yo adapté réflexion à la réalité, yo vin la dedans, mais réflexion en fait déjà. Mais ici, réflexion n'est pas faite du tout. C'est cool rivial pendant sous élément et puis la frapper. Maintenant, faut gain de monde qui pourra réfléchir pour acteur politique yo. Et c'est ça nous fait, nous réfléchir pour yo. Faut gain de monde qui pourra fournir yo en information, en données, en documentation qui pour si bon sujet la réfléchir sous lui, qui pour bon équipe qui fait recherche pour lui. C'est ça nous fait. Et puis, by de l'autre type d'accompagnement. Dans le niveau de campagne électorale, si nous t'as suivi, parce que dans pile base de données, on nous dit, l'on a des résultats, performance Haïti au niveau électoral, en matière d'intégrité électorale, indice. Haïti toujours vraiment classé mal, c'est rouge, c'est point rouge sur Haïti. Et quand c'est pas point rouge, c'est presque avant le dernier. Le pourquoi c'est tellement de violence dans l'élection, ça qui fait de violence, c'est parce que il y a de l'autre outil, il y a de l'autre méthode que acteur politique n'ont pas connu. Mais tu as la peine improvisée, faut le bon plan. Même l'on pas jamais qu'à exécuter plan à la lettre, mais sous bon plan, à chaque fois capable d'adapter l'on sorti ou à prendre qui côté pour retourner, mais sous pas jamais bon objectif. Et cet objectif là, c'est tout simplement pour élu. Ça ne peut pas être comme ça. Il faut un plan pour arriver vers cette victoire. Mais avec Fatou, il y a un monde qui a dit, le responsable parti politique, qu'on a aussi refermé sous yo, qu'on peut être estimé, qu'on a tout le bagaille, ou même qui côtoie yo, ou même qui parle à yo, qui travaille à yo, c'est le cas ou c'est pas le cas? Le pape dit ça. Il est vrai que, bon, sauf si nous n'avons pas comprendre qu'aujourd'hui, il pourrait exister de nouveaux pics de la Mirandole. Ça n'a pas existé encore au monde qui a pensé que le compte tout bagaille, parce que tellement gagné bagaille pour le monde qu'on est. Si nous pas qu'à contrôler, nous presque pas qu'à contrôler aujourd'hui, volume recherche qu'a publié chaque jour par des scientifiques, volume article qu'a publié chaque jour dans le journal, son bagaille extraordinaire, volume livre qu'a sorti chaque jour, réflexion qu'on a fait. Donc, par rapport à volume information, ça y est, on n'est pas capable d'oser penser que ou capable de compter tout le bagage. Donc, aujourd'hui, la connaissance est de plus en plus spécialisée, tellement qu'il y a une pile de données. Maintenant, il y a des bagages qui ont besoin, c'est pour faire appel à un spécialiste. Et justement, c'est ça, Politikotek, c'est un ensemble de jeunes spécialistes, des gens qui spécialisent dans une série de domaines, dans la communication, des spécialisations en droit, des spécialisations en politique, etc. Donc c'est ensemble de compétences qu'il a pour acteurs politiques. Maintenant, de 2015 à aujourd'hui, quelles sont les difficultés nous rencontrer dans notre travail au niveau de Politikotek? Eh bien, les plus grosses difficultés, c'est ça. Et nous pouvons réfléchir sur ça. Parce que moi-même, plus, nous réfléchissons en pile sur. Nous rencontrons des difficultés. C'est peut-être on l'autre n'a parlé de nos difficultés. Une fois que nous prenons frappe, nous ne sommes pas chutés à ce frappe-là. M'ajuster et puis m'avancer. Parce que je me dis, si m'échouer dans le bagage, c'est pas objectif, moi, je n'ai pas bon. C'est façon de laisser atteindre l'objectif, là, pas bon. Donc, je vais changer méthode. Je vais changer objectif. Qui le sont-ils, par exemple, de dernière campagne électorale? Oui, c'est une campagne qui était très, très. Alors, j'ai même produit un texte dans l'école que j'étais là, dans sous plateforme. Donc, c'était une réflexion que j'ai fait et sous coup dernière élection ça, en Haïti.
Livin apparemment, selon ça me comprenne, élection qui presque pichait dans toute histoire. Et nous, une élection qui pichait dans l'histoire du monde. Parce que on croyait que par tête de votant, nous presque dans 70 et puis dollars. C'est parce que l'élection, ça l'a fait deux fois, tu vois, et il chita sous deux ans. Donc c'était vraiment coûteux pour le pays. Mais maintenant, et leçon que moi-même, moi peut-être tiré de dernières élections, ça, c'est que moi, ouais, que de plus en plus, le monde commence à comprendre que si vous pas attraper modernité, modernité après l'équito, vous capable de plaindre après, mais c'est plaindre ou plaindre, modernité à la continuer à avancer pendant plaindre. Parce que m'a observé depuis 2010, mon cher, les candidats qui ont fait choix de la modernité sont en majorité ceux qui ont gagné. Modernité dans tout sens, surtout dans la méthode pour gérer la campagne. Comment nous allons par rapport à l'autre film qui a fait le même travail avec nous, je dis à soutenir? L'autre film qui a fait le même travail avec nous, pas tellement quoi que vraiment il y a l'autre film, sinon officiellement, qui a fait le même travail ensemble avec nous. Il y a un pile institutions firmes qui spécialisent dans la communication, mais là c'est plus que ça. Nous sommes cabinet conseil politique. Voilà. Donc pas vraiment quoi que des monde qui pas quoi que l'autre firme. Alors qualité service sur le frio par l'autre nous dit que bas service à souterrain. On nous dit c'est un marché qui commence à gagner des étrangers qui a rentré là-dedans et monde ça yo. En fait, il y a des institutions qui là, bon institution que nous connaissons qui là, mais c'est pas une institution qui a fonctionné même genre avec nous. Et comme une institution privée, c'est plus une organisation de la société civile qui nous apporte un accompagnement politique, des fois en période électorale que le côté. Mais lors pas une période électorale, on fait l'autre bagarre, mais nous-mêmes nous spécialiser dans accompagner les gens qui sont en politique. Tu vois? Donc, mais là, je suis capable de dire, institution qui gagne pignon, capta et banda, là, dans le pays, c'est Ostosola que l'on sait. Qui pratiquement bon lui-même lui gère campagne pendant deux fois. Nous connaissons que plusieurs films, l'autre film international qui était tenté rentrer, mais pas de jeune qui est d'accord avec l'autre acteur principalement candidat à la présidence. Mais je dis, il faut monsieur comprendre que un peu partout à travers le monde, vraiment, un peu partout à travers le monde, il est difficile pour remporter une campagne électorale si vous avez géré la campagne là sur le tas, si vous avez des professionnels, des gens qui expérimentent, des gens qui comptent les choses là. Ça fait ça seulement. Parce que son spécialisation. Moi-même, moi j'ai une spécialisation en administration et politique électorale. C'est comme si mes spécialisations, non, les chita sur l'autre côté. Spécialisation, non, c'est surtout dans le sens pour m'accompagner, pour me travailler avec un organisme de gestion électorale. Ça veut dire, whatever côté à travers le monde, une élection a fait, moi-même, moi capable de travailler, moi capable d'accompagner, que ce soit institution locale ou bien institution internationale qui vient dans l'observation. Mais là, gérer campagne, candidat, c'est l'autre, parce que c'est deux côtés. Moi-même, moi à la fois travaille l'autre côté, me spécialiser l'autre côté. Mais c'est vraiment, je pense que il y a une pile d'opportunités. Parce que demande la grand, tellement de monde qui a des velléités politiques. Ouais, je dis à un pile monde, si je regarde les chiffres dernière élection, plus que 2000 candidats à la députation. Pour combien de postes? Pour 120, 117 postes. Ouais. Bon, donc, vous pouvez imaginer. Et si vous regardez la quantité de monde qui allait dans le contentieux, le résultat bail. Donc, ça veut dire tout ça, c'est l'argent qu'a dépensé. Tout ça, moun yo prêt pour yo élu. Maintenant, si ou même ou ka éviter moun nan tout casse-tête sa yo, ou capable bay moun un meilleur plan, un meilleur accompagnement pour le bon. Parce que le pouvoir, c'est ce qui dirige le monde et c'est ce qui peut diriger le monde. Faire le monde dans n'importe quelle direction. Donc maintenant, tout le monde t'a aimé rentrer dans l'histoire. Et meilleure façon pour rentrer dans l'histoire plus facile, c'est par la politique. Parce que tu marques le commun des mortels. Oui, mais ça nous souhaitons que nous bien marqué l'intérêt de la collectivité. Parce que ce n'est pas ça fait pas pour nous gérer. C'est ça fait cité à nous gérer. Ouais. Maintenant, nous-mêmes nous accompagnons les structures ni avant ni après, je me comprends.
pendant qu'on parle à nous d'accompagnement, les gens sont aussi élus du tout, nous continuons à accompagner. Justement, justement. Si nous continuons à élus, nous gagnons plusieurs personnes et que nous t'accompagnons pour venir. Qui vient élu et au élu nous continuer accompagner au gain de monde qui pas élu nous et nous accompagner parce que autant de ça n'a fait ouais ça n'a fait suivre type d'accompagnement que nous bail et donc on essaie nous vraiment n'a pas avancé parfait n'a pas avancé bon séminaire qui prévoit 7 à 8 avril sous financement parti politique et c'est politique côté Capel pour côté l'idée ça sorti et dit ça m'étonne et bien l'idée c'est parce que, d'abord, il y a un premier constat que moi-même, personnellement, je fais en Haïti, parce que je réfléchis sur le parti politique, vraiment, ça fait quelque temps, et je remarque que le plus gros problème que le parti politique a été gagné, c'est, ou jusqu'à présent, c'est question financement parti politique. Là. Parce que ce n'est pas parce qu'il vient accès à financement public là, que le pape a un problème financement. Ou encore pas un problème financement à parti politique. Financement public est important, certes, mais ça pas suffit. L'important pour parti politique là, l'icône comment pour gérer financement public ça. Et pas seulement financement public là, parce que le séminaire que nous avons fait, il n'est pas seulement dédié à parti qui joue un financement public. Mais c'est comment tout parti est capable de développer stratégie pour utiliser de l'autre méthode pour le financer activité lieu. C'est ça n'est pas capable de dire des méthodes traditionnelles de financement interne. Ouais, de financement interne. Maintenant, c'est ou encore quel type d'activité il est capable de faire pour avoir accès à financement des monde qui pas forcément membre parti politique là ou du moins de l'autre don. Et comment, quel type d'activité, parce que l'activité ça à la fois à permettre que parti a joindre l'argent, pas pour parti a riche, mais pour parti a financer l'activité, parce que c'est l'activité qui a parti a visibilité, et c'est visibilité qui a parti a une notoriété électorale, et c'est notoriété électorale là qui a mené vers la prise du pouvoir. Maintenant, n'a accompagné à la fois parti, c'est un séminaire qui ouvert pour parti qui gain financement public, non pour toute parti, qui tout gain financement public, qui tout pas gain, mais c'est méthode pour qu'on comment pour gérer l'argent, pour qu'on comment pour joindre l'argent, pour qu'on qui activité, etc. Et donc c'est ça, parce que moi-même, moi j'ai remarqué que parti politique qui a eu un problème ça en pile, et c'était une la principale cause qui fait que était faible en pile, et jusqu'à présent, était faible. Mais on va s'arriver avec financement. L'exécution a décidé de mettre en application la loi sur le parti politique. Il y a une structure qui éclate, là, je veux dire. Donc, il parle en pile, il n'y a pas d'accord. Et puis, ouais, ça s'abat. Question financement, est-ce qu'on va aborder des aspects à tout dans le cadre de séminaire? Oui, alors, ça qui gagne, c'est fait parce que ça n'a pas essayé, ouais, nous-mêmes, ça nous va le c'est à la fois, ouais, financement public direct et indirect. Yo. Bon, c'est de façon générale, parce que bien de l'autre monde, c'est des universitaires qui ont intéressé à ces minières là qui ont inscrit, qui en pile, il y a un monde qui inscrit, et son bail qui est très limité parce qu'on fait ça pour 25 personnes, nous pas qu'à aller à plus que 25 monde. Donc le nouveau invitation à partir a un droit à un grain de monde. Donc il y a un droit à plus. Maintenant, alors, je disais... Oui, on a parlé de problèmes qui viennent une fois. Les financements tombés, ça a dérangé. Ouais. Ou structure politique. Mais, il ça créé récemment avec... Ouais. Les... Mais c'est parce que ce scandale-là qui a fait plus bruit dans la presse. Mais il y a un pile parti politique, pas un scandale. Il y a un cobla. Léofine prend un cobla, c'est réfléchi, a réfléchi sur quelle stratégie il est capable de développer pour jouer le financement. Ça. Et financement en vinita. Parce que depuis dans la loi, il est dit que automatiquement que la loi a voté, eh bien, pour commencer à appliquer dans la prochaine loi. La, dans la prochaine loi budgétaire. Là. Mais ça n'a pas été fait. Donc, vous imaginez, depuis 2015, ça a dû commencer à être fait. Parce que. Oui, non, c'était 2014, donc c'était 2015, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, donc parti politique, il n'y a pas de gens qui joignent.
Maintenant, le parti politique, là, il n'a pas eu accès à financement public, ça vulnérabilise. Parce que, un, en période électorale, il n'a presque pas existé, parce qu'il n'a pas eu moyen pour financer l'activité. Et le gain élection, il n'a presque pas eu influence vraie sur le candidat, parce que il n'a pas eu l'argent. Et le candidat, lui-même, il a eu l'autre acteur, des acteurs privés, des entrepreneurs, des entreprises, des autres monde qui sont influents, et des fois même au niveau international. C'est là qu'il a joué l'argent. Maintenant, ça affaiblit parti. C'est ça qu'il faut voir dans l'histoire politique du pays d'Haïti. Où élu a toujours vacillé le fin élu. On a élu sous une bannière et puis dans la prochaine élection, où elle allait sous l'autre bannière. C'est justement parce que manquer élément qui pour rapprocher, qui pour quimber, qui pour permettre que parti allié assez fort pour élu associé la parti. Parce que ce n'est pas parti à quoi associer la élu, c'est élu à quoi associer la parti. M'a songé encore et livre en classique en sciences politiques, c'est moi, c'est Ostrogoski qui écrit, c'est sous parti politique. Je fais en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Je parle de parti politique comme étant des structures qui ont fabriqué leader. C'est pas leader qui vient faire parti. C'est parti pour faire leader. Leader n'a pas qu'à changer parti. C'est parti qui doit avoir une obligation pour changer leader. Mais parti n'a pas qu'à faire ça s'il n'a pas de moyens. Il ne va pas faire comme ça. Donc, c'est leader qui fabrique parti. Mais parti n'a pas de moyens pour fabriquer leader. Parce que fabriquer leader, il demande un bourrage de crâne, faire des élus ou bien faire des cadres dans parti, faire des militants, venir chita et puis on a fait formation pour eux. C'est souterrain pour aller. Gen de lè pou fon bagay pou moun, se peut-être son gala pou pati a fè. Mais pile fois pati ou pa gen moyen pou fè ça. Parce que bon niveau minimum ou besoin pour faire des investissements. Maintenant, il y a des partis qui ont des moyens. Nous voulons apprendre par rapport à ça qui fait en bon de l'autre côté. Comment ils sont capables d'utiliser les moyens comme parti politique? Et mis à part ça, par rapport à l'expérience qui peut-être pas de rapport à la politique, mais que nous sommes capables d'associer à la politique. Comment ils sont capables de tirer de ça pour eux-mêmes comme parti politique, ils ont aidé à mieux structurer, yo m'aider à mieux renforcer tête yo auprès de population mais en particulier de élu yo. Oui, il y a mon visa comme cadre là, ta cadre monsieur Pen et sans rien la comme parti politique, maintenant c'est les sorties. C'est ça, c'est par rapport avec genre société a hier fait qu'on là ça comme parti, même dans tout rien sans rien là comme l'école, vous sans rien là comme média, vous sans rien là et par contre comme société civile de manière générale. C'est fataliste et moi même pas quoi dans fataliste. Voilà comme ça. Non, pas fataliste. Mon société là sans rien là construction, mais c'est déconstruire pour nous déconstruire et c'est reconstruire pour nous, c'est construire pour nous construire l'autre bagaille. Nous ne pouvons pas accepter ça, n'est là. Sinon, nous n'avons qu'une initiative pour nous prendre ou pas qu'une initiative. Sinon, mise au point, pas de sens. Parce que mise au point, sens li, ou même comme journaliste, c'est bon travail ou à prouver fait. Dans mon choisi pour inviter, dans question choisi poser. Donc, c'est contribution pas dans la société. Donc, c'est parce qu'on pas d'accord à une série de bagailles. Et c'est façon pas ou du moins, c'est parce que ou d'accord à une série de bagailles. Donc, ou bayo visibilité, ou fait promotion pour yo, ou bayo fenêtre pour l'autre monde capable de garder sur yo pour faire l'autre bagaille. Moi-même, moi pas quoi que j'en nous y est là, nous obligé de rester comme ça. C'est pas parce que mon bagaille qui mène nous là, que nous pas capable de faire des choix qui pour mener nous côté nous voulons. Parfait. Qui interrompt le parti politique bien pour 7 à 8 avril, il répond à l'invitation politique au tech là. Ah ben, il y a intérêt, s'il voulait, venir en parti moderne, s'il voulait découvrir des stratégies et qui sont capables d'aider à mieux gérer l'argent. Voilà le bon exemple. Allez-y. Et il y a un bail que je fais parce que c'est peut-être moi-même qui est directeur politique au tech, le map. Fait séminaire là, nous gagnons un objectif, nous avons bagaille, nous voulons faire avec parti. Mais nous faisons, et pas moi-même qui animer et module. Nous avons des gens que nous chitons ensemble avec eux, des spécialistes, et que nous discutons avec eux, nous disons, mais qui ça me t'arrête en fonction de compétences pour là. Et puis, des fois, je m'allais même jusqu'à fournir une documentation. Pour le capable exactement ça nous besoin. Parce que moi-même, je pensais que le parti politique, il méritait le meilleur. Même gens, entreprise là, pour le capable meilleure entreprise de l'année, il y a des sacrifices qu'il fait, il fait appel à des consultants, ils font plan stratégique, etc.
il a des objectifs fixés, il a des stratégies. Les partis aussi en ont besoin. Et pour cela, ils ne sont pas obligés d'arrêter nos systèmes d'assistanat, côté que il a déposé des petits projets auprès d'une série d'organisations internationales qui disent maintenant qui s'en fout, et puis c'est pas ça qu'ils ont besoin, il faut commencer à mettre l'argent pour joindre ça qu'ils ont besoin. Parce que c'est peut-être un bail que un pile monde pas cultivé, ou pas obligé de contenter ou à s'en gagner. Il faut que décider qui s'en voulait. Et c'est pour s'en voulait pour vous-même. Moi-même, depuis tout petit, c'est comme ça que je grandis. Ce monde qui grandit, il apprend moins des objectifs et il apprend moins vous-même pour objectif moins viser. Donc, parti politique, il doit viser. Parce que si vous avez besoin de pouvoir, il y a un sacrifice pour faire pour ça. Si vous avez besoin d'élu, il y a un bail fort qu'on est. Ce n'est pas par hasard. Il y a un auteur que je découvre pendant que je fais maîtrise. Monsieur, c'est un plus grand théoricien moderne sur la question de parti politique. C'est Scarrow. Mais pendant que je dis à un pile parti politique, il continue à gérer la même méthode années 60-70. Il a presque oublié, dirigeant parti, qu'aujourd'hui, on est en 2018. Parti n'a pas qu'à diriger sur un feuille papier encore. Parti n'a pas qu'à diriger à un cahier encore. Réunion n'a pas qu'à faire même gens encore. Enregistrement n'a pas qu'à faire même gens encore. Façon pour communiquer avec les membres n'a pas qu'à même gens encore. Parce que le monde a changé. Maintenant, les partis ont besoin de s'adapter. Si on pas adapté, il y a deux parties. Cap éteint, parce que il n'y a pas été gagné. Si nous prenons toute l'histoire de l'Amérique latine dans le parti politique, il y a deux parties jusqu'à aujourd'hui, depuis 1836 qui existaient en Uruguay. Les plus anciens partis, les deux plus anciens partis de l'Amérique latine. Eh bien, ils ont existé jusqu'à présent. Certes, il y a une alliance, mais ils ont existé jusqu'à présent. Ou il y a deux parties qui, dans l'Amérique latine, non, là, depuis avant le XXe siècle, ça veut dire depuis avant 1900, il existait. Maintenant, ensemble politique, ça, c'est pas un hasard qui fait toujours là. Mais il y a de l'autre tout qui pas là encore, qui disparaît. Donc ça veut dire que le parti peut disparaître. En Haïti, il y a deux partis qui disparaissent. Donc, il y a un qui continue à disparaître si il n'a pas accepté de faire des choix de modernité, si il n'a pas accepté. Est-ce qu'il y a des populations qui prennent confiance en parti politique tout? Justement, justement. Parce que je dis, et moi-même, je fais une recherche sur ça, j'ai un niveau de confiance et population auprès du parti politique qui est baissé. Et le principal élément qui est capable de prouver ça, c'est la participation électorale. C'est la participation électorale. Maintenant, il faut que nous essayions de compenser ça. Même si la situation de méfiance, ça, on va généraliser dans toute société. Hein? Oui. J'ai l'impression que l'haïtien n'a pas fait l'haïtien par les confiances encore. C'est bon, je me fais tête chargée de tous côtés. Et qui vient de gagner, ça vient là tout sous structure politique. Oui, oui. Mais nous avons construit confiance là. Méfiance là, c'est le résultat de c'est de longues années qui baillent ça. Évidemment. Maintenant, il faut que nous prenions le temps tout pour nous retirer, pour nous faire un autre bagaille. Parce que comment on est capable d'avancer? Si nous n'avons pas impliqué, si nous n'avons pas fait confiance à l'institution, comment on est capable de gagner une meilleure gouvernance de la vie publique si pas gagner une meilleure articulation de partis politiques, si partis politiques n'ont pas inspiré plus confiance, si partis politiques n'ont pas mieux institutionnalisé. C'est pas plus gros décision, je vais le dire, plus gros décision qui prend de 1900. On nous dit youn, non. Pire gros décision après liberté de la presse, comme à qui? Pourquoi le financement parti politique là, c'est une pire gros pas démocratique que nous fait. Le financement de la vie publique est fondamental pour l'indépendance des acteurs politiques. Parfait. Qui est-ce que c'est sur le représentant parti politique ou bien des gens qui sont intéressés à la politique comme des, à venir? Des universitaires, de l'autre monde, mais vraiment. Et Fok Mounan, par exemple, et bon, m'a tout invité Mounio pour yo suivre Politikotech sur Facebook, Twitter, Instagram. De pour faire at @ et Politikotech 509
Quoi besoin de nous? Politique côté P-O-L-I-T-I. P-O-L-I-T-I-C-O-T-H 509. Laisse ça, mon nom, après rempli Google Form, nan, ou bien mon nom passé, dans le bureau, nous, qui c'est sous Boudon, et 388 bis. Et c'est sous Boudon, dans trois cailles qui plus connu, qui plus visible, c'est une là-dedans. Parce que c'est plus gros building qui gagne sous Boudon. Donc c'est une building, ça, c'est 388 bis, appartement 9D. Tout près, merci. Bon, oui. Et là, on est son risque parce qu'il ne vous pas prater généralement dans ce boudon. Il ouais, le cabinet, c'est, hein. C'est la politique au tech. Mais si vous avez un cap qui a souhaité relayer, ou bien plus de détails, plus d'informations. Si vous voulez relayer, c'est 22 33 31 31. Mm-hmm. Ouais. Donc, 22 33 31 31. Mm-hmm. Et je crois que la date limite pour les inscriptions sont demain. C'est pour demain. Et donc, le politique au tech là, parce que nous avons une salle de conférence qui est aménagée pour ça, pour nous faire un pile d'activité, pour nous faire un pile bagaille. Mais on qui décide peut-être de jouer, par exemple, cette lac débarqué le matin. Non, c'est difficile. Il va carrément. Parce que dans le niveau que nous avons planifié, sinon, nous avons dit nous avons fait 50 moun, nous avons fait 100 moun, nous avons fait 200 moun, ou bien nous louons hôtel, nous faisons publicité, nous faisons. C'est parce que le type de bagaille que nous voulons bailler à parti politique, nous ne pouvons pas gonfler en bonne moun dans la salle. Non, il faut le participatif. Donc pendant deux jours, ça, Mounio, il a venu, il a participé, il a échangé, il a bien documentation, il a capable de parler avec intervenant. Parce que yon intervenant qui sont amis, moi, de longue date, monsieur, c'est un auditeur international, monsieur a travaillé pour une 10 plus gros firmes d'audit au niveau mondial. Donc il sera là avec nous. Monsieur Pral lui-même. Faire question rédition des comptes et avec parti politique aussi. Ouais, c'est pas toi. Non mais l'important c'est pour gagner l'argent, non. Pas seulement l'argent l'État. Même j'en gros amour là la chanson va pour vous on va dire le reçu le café avant vous ça. Bien c'est cultiver pour nous cultiver ça, c'est apprendre pour nous apprendre parce que l'autre peuple que nous prend un exemple yo pas levé un bon matin, c'est construire la caillou. Américain li pa ou bien français a li paraît ton bon matin li gade li wel pa pipi nan la ri mais gon équipe bagay ki fait en dans société a gon paquet construction qui pou permettre que un sou pipi nan la ri a gon sanction ka prend kontou maintenant en pile moun pè sanction an, ou même ou gade ouais personne pa jam fèl soit fèl un ou ap wè étrange donc de pou ou étrange soit font bagay ou déjà gen intention pa fèl. Maintenant, qui ça fait nous-mêmes, nous faisons une série de bagages ici? C'est parce que l'on fait, ça pas étranger à personne, ça courant. Donc maintenant, il faut commencer des sanctions. Et à partir des sanctions, nous appliquer sanctions. Et l'on applique les sanctions, le monde va commencer à conformer. Voilà, 7 à 8 avril, politique était capitaine de nous pour séminaire ça sur financement parti politique. C'est dans le local, et 388 Moudon avenue John Brown. Puis, appelez le numéro de téléphone. Là. C'est 22 33 31 31 22 33 31 31. Bien monde qui a les sur réseaux sociaux. Ah ouais, il y a fait politique au tech 509. Suivez-nous sur réseaux sociaux parce que et politique au tech c'est information utile tout. Donc ça veut dire si on monde la suivre page politique au tech là, il y a un pile bagaille que l'a pas prendre, il y a un pile bagaille que l'a connaît. Parce que volume, et on nous dit consultant, volume chercheur que nous gagnons, qui se tape dans le bureau, qui travaille, c'est pour ça que là tout. C'est pour informer les gens. Parce qu'on n'est pas capable de porter un bon bagage au monde si les gens ne comprennent pas. Et pour le comprendre, il faut aider l'élever niveau. Parce que faut le discuter ensemble, il faut le comprendre, valeur sur le côté. Et c'est ça qui fait nous contribuer dans. Faire des recherches et publier gratuitement, partager des informations à travers les médias sociaux pour nous être capables utiles dans la façon ça à la communauté. P-O-L-I-T-I-C-O-T-E-C-H pour Politico Tech. Et puis, monsieur l'homme capable politique, vous avez fait politique en l'argent, vous avez parlé en l'argent. Vous êtes capable de venir visiter nous, passer dans le bureau, demander des informations, nous ouvrons à tout le monde. Ouvert à tout le monde et ça qui gagne encore c'est que des fois on travaille avec nous même les petits c'est un peu une discrétion ou quand même pas jamais citer non personne donc c'est important pour moun ou dit ouvert à tout le monde même les petites bourses oui non mais c'est pas si petit vous plaît ouais quoi. C'est pas parce qu'on pas gagne quoi parce qu'en pile fois moun yo pensait que c'est l'argent pour gagner pour faire une série de bagages. C'est une série de bagages même pour faire pour gagner l'argent.
c'est pas l'argent pour faire une série de bagailles. Mm-hmm. C'est même... tout simplement une façon de penser. Et nous avons secret à nous dans la politique côté. Justement. Ok. Et bilan nous montre ça? Par rapport avec le candidat nous t'accompagne. Il y a bon limite parce que comment nous sommes capables de faire gérer une bon quantité de campagne, nous sommes capables capable mm-hmm. participer dans le gérer. Mais nous avons plusieurs monde en bas que nous avons participé directement. Et soit nous avons géré la campagne nous-mêmes, ou du moins nous avons fait des dessins pour eux, ou bien nous avons participé à former l'équipe, etc. Donc nous avons plusieurs mondes et en plus nous avons continué partenaire. Parfait. Alors nous faisons une récapitulation pour nous. Séminaire 7-8 avril, Politicotech, à nous joindre à la LU, sur le financement parti politique, c'est ça? Voilà. Donc nous avons pour relayer, pour demander des informations et puis passer inscrit. Et vous êtes capable de faire ça jusqu'à demain? Jusqu'à demain. Demain 3h, 4h? Demain 4h. Demain 4h. Voilà, notre invité ce matin, au distance des peines de Politicotech, pour nous regarder les séances de formation, et c'est une bonne occasion pour nous présenter le public là, et l'institution ça, qui voulait accompagner les leaders politiques, de monde qui a fait politique, nous, pour faire politique là, on le vient. Monsieur Pen, merci un pile, bon succès et longue vie à Politicotech. Merci à vous-même, Serge Jolindo. Voilà, merci tout le monde, vous êtes avec nous en direct, je souhaite vous passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.